10 ans après les tubes, Aurélie, Toutes les nuits et celui, Colonel Rayel a choisi Top Music et la Top Family pour son grand retour. Bonsoir Colonel Rayel. Bonsoir Erwan, comment vas-tu? Bah ça va très bien, on est ravis de te recevoir ici sur Top Music en Alsace. Et on se souvient tous des tubes de l'album Au Rapport. J'arrive pas à te l'avouer mais je suis tombé sous ton charme. J'ai trop lutté contre mes sentiments, je dépose les armes. C'est sans doute ce qu'on appelle l'amour. Qui aurait pu dire que je connaîtrais ça un jour? J'ai pas le courage de te le dire en face. Je profite de cet instant pour briser la glace. Oh, j'ai trop de fierté, ça m'agace. Finalement peut-être que je suis pas si coriace. Faut que tu saches que toutes les nuits je pense à toi, toutes les nuits je rêve de nous deux, toutes les nuits je pense à toi, tout près de moi je nous vois tous les deux, toutes les nuits je pense à toi, toutes les nuits je rêve de nous deux, toutes les nuits je pense à toi. Il y avait aussi celui. Laisse-moi être celui qui partage ta vie, oui celui à qui tu te confies, nul ne saura te comprendre mieux que moi, donne-moi ma chance tu verras, au pire celui qui partage. Passer quelques heures avec toi dans ce lit, je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Je veux être celui qui t'accompagne, que tu sois ma compagne. Qu'on se fasse des purs voyages, t'inquiète, ce sera pas la campagne. À base donnée en pagne, on pète le champagne. Ami, ami, le Brésil, le Maroc ou l'Espagne. Colonel Rayel, ce soir dans la Top Family sur Top Music, est-ce que tu te rends compte que t'as marqué toute une génération avec ces tubes? Bah c'est vrai que c'est assez difficile de prendre du recul, mais en fait, avec toutes les sollicitations qu'il y a sur les réseaux sociaux ou bien les demandes de showcase qui continuent 11 ans après, parce que l'album est sorti quand même il y a 11 ans, ouais. C'est vrai qu'on se rend compte qu'effectivement, ça a touché une génération qui aujourd'hui a grandi et qui continue à m'écouter, donc ça fait vraiment chaud au cœur, ouais. Alors je crois que durant ces 11 ans, t'as pas arrêté de tourner, hein, notamment en club, c'est ça? C'est ça, j'ai pas arrêté de tourner, j'ai pas arrêté de proposer de la musique, donc j'ai la chance d'avoir ma petite communauté qui me suit, et donc c'est une aventure qu'on continue aujourd'hui en 2022, une belle aventure, et donc j'ai plein de projets qui arrivent, des featurings, j'ai aussi un projet d'album pour cette année, pour marquer les 11 ans de Au Rapport, et voilà, plein de projets encore qui m'amènent aujourd'hui en Alsace et chez vous. On va parler de ces projets, on va parler de cet album, une tournée aussi cet été, même si ça s'est jamais arrêté, c'est quand même ton grand retour, tu vas faire des grosses dates. L'album Au Rapport, si je me trompe pas, ce sera pour le 27 mai, Au Rapport 2, c'est on n'oublie pas. Tu nous parles un peu de ce retour, comment tu le vis, avec beaucoup d'émotion, d'intensité? Avec beaucoup d'intensité, oui, et d'émotion, puisque effectivement ça fait un petit moment que j'ai pas sorti un projet avec une dizaine de titres, donc je suis en train de bosser dessus depuis pas mal de temps, j'ai pu bosser dessus depuis le premier confinement. Et donc voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter, il y a pas mal de choses qui me sont arrivées, et donc j'ai eu pas mal d'inspiration et j'ai hâte de faire découvrir ça au public. Et t'es pas venu tout seul ce soir, Colonel Rayel, t'es venu avec une artiste qu'on va découvrir également, c'est Kimley Myron. Bonsoir Kimley. Bonsoir Erwan. Colonel, tu nous présentes un petit peu Kimley, votre collaboration? Alors Kimley, c'est une artiste que j'ai découverte sur Instagram, il y a pas mal de jeunes artistes qui me sollicitent sur les réseaux sociaux pour me demander soit des conseils ou des featurings. Et quand j'ai entendu la voix de Kimley, j'ai tout de suite dit oui pour une collaboration parce que c'est un timbre de voix qui est particulier. Et surtout, c'est une jeune Française qui a pris le risque de s'installer aux États-Unis, ce qui n'est pas facile. Elle l'a fait à un âge assez précoce. Et donc du coup, voilà, je trouve que c'est bien d'encourager les jeunes comme ça qui vont de l'avant, qui prennent des risques. Et c'est une super collaboration qu'on a pu faire. On a été tourner le clip au Portugal l'année dernière. Et voilà, ça a été vraiment une super collaboration dont je suis super fier. C'est une belle présentation ça, Kimley, de la part de Colonel Rayel. Comment t'as réagi toi quand il est entré en contact avec toi, interpréter un morceau, une collabo avec Colonel Rayel, c'est pas rien quand même. Ouais, moi j'étais trop trop contente de travailler avec lui. C'était le premier artiste français avec qui je travaille aussi. Donc c'était un premier pas dans le business français pour moi au final. Quand on parle de cette voix, c'est une voix grave et sensuelle, c'est ça? C'est une voix suave, c'est une voix qui, quand tu l'écoutes, elle t'emmène, elle te fait voyager. Et voilà, j'apprécie beaucoup et surtout, elle a un super accent, c'est-à-dire que c'est une Française, oui, mais quand tu l'entends, tu as l'impression d'écouter une artiste américaine. Et donc voilà, c'est super authentique, c'est super profond et j'ai tout de suite accroché. Et ben c'est ce qu'on va faire, vous écoutez déjà un premier extrait de Levitating, ce morceau donc qui est sorti à l'automne et qu'on retrouve aussi sur YouTube. Qu'est-ce que je pourrais faire pour te prouver mon amour? Attends les restes, ne fais pas demi-tour. Donne-moi ma chance, je te propose un aller sans retour. Je peux plus me passer toi depuis le premier jour. I'm levitating. I'm
Kimley, pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais, ça raconte quoi ce morceau ? C'est une histoire d'amour. J'ai voulu représenter le sentiment de léviter. Quand tu es amoureux, tu as l'impression que tu lévites, que voilà, plus rien n'existe autour de toi. Et pour l'été, c'est chaud, c'est caliente, c'est parfait. Ça vous correspond bien à tous les deux, ça, cette atmosphère un petit peu suave et sensuelle ? C'est vrai que moi, dans ma musique, il y a toujours un petit peu de soleil, voire même beaucoup de soleil. Et donc, effectivement, c'est un titre qui se prête justement à aller sur la plage, siroter un petit cocktail, un petit mojito, avec ou sans alcool. Et puis voilà, on lévite et... on kiffe avec Kim Lemera, on est colonel réel. Ça t'arrive souvent de rentrer en contact comme ça, par DM, avec des artistes ? Tu restes toujours un petit peu aux aguets ? Ben c'est moi qui gère mes réseaux sociaux. Je sais que ce n'est pas le cas de tous les artistes, mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Être au contact de jeunes. Par exemple, ce matin, j'ai été à la rencontre de jeunes strasbourgeois qui m'ont sollicité pour faire de la publicité pour leur bureau des étudiants, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Et donc, pour moi, c'est important de garder le lien comme ça avec le public. C'est un outil formidable, les réseaux sociaux, pour ça. Donc, j'en profite un maximum. Les étudiants, ils me parlent beaucoup hein, de toi. Je suis prof aussi dans une école de communication. Et quand je leur ai dit, je reçois Colonel Reyel, ah, mais c'est mon collège, Colonel Reyel. Ça les a marqués parce que le collège, malgré tout, c'est les premiers émois, les premières émotions. Il t'avait marqué dans ta jeunesse, Colonel Reyel, qui me l'a... Oui, moi, c'est un artiste que j'écoutais déjà à l'école. Et j'aimais particulièrement celui... Et c'est vrai que travailler avec lui, c'est un honneur pour moi. Alors, il y a eu le clip, t'en parlais, le clip à voir sur YouTube, lui aussi. Hein, il donne envie d'être là avec vous. C'était au Portugal, à Porto. Vous nous racontez un peu comment ça s'est passé ? Ça s'est passé, ça s'est super bien passé. On a été très bien accueillis par la population locale. Porto, c'est une ville très accueillante, très chaleureuse. Et donc, on a pu profiter des magnifiques paysages. On a tourné un petit peu sur la plage. On a profité vraiment des superbes paysages et c'est un clip vraiment que j'invite tout le monde à aller voir parce qu'il est magnifique. Il suffit juste de taper Colonel Reyel, Levitating ou alors bien entendu Kimley Myron, Levitating. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va se retrouver dans un instant pour continuer à vous découvrir, à vous redécouvrir. Et décidément, on est nombreux ce soir dans le studio, c'est bien, c'est vraiment la Tom Family. J'ai quelqu'un à vous présenter aussi, ce sera juste après l'intégrale de Levitating. Le retour de Colonel Reyel avec Kimley Myron, c'est tout de suite sur Top Music. Yo Kimley Myron, baby. How you feeling? Colonel Reyel. Where you going? Levitating. Let's go. Are you trying to get my attention? It seems like your heart has been broken. You're walking right in my direction. You look like the kindest of all the nations. J'aimerais tellement te dire tout ce que je ressens pour toi. J'ai le cœur qui dérive dès que je te sens près de moi. Ton regard s'égare et j'en perds les mots. Et ta voix qui résonne comme un écho. I can't even look at you in the eyes. Let's talk together till the sunrise. I have this feeling called butterflies. You have nothing in common with us other guys. Qu'est-ce que je pourrais faire pour te prouver mon amour? Attends les restes, ne fais pas demi-tour. Donne-moi ma chance, je te propose un aller sans retour. Je peux plus me passer de toi depuis le premier jour. I'm levitating. Laisse-toi aller avec moi, bébé. Viens, on va l'éviter. Allez, danse, bébé. Yeah, yeah. Come on, move, baby, move, baby. Come on and levitate, levitate with me. Come on and levitate, levitate with me. I'm levitating. I'm levitating.
Il a choisi Top Music et la Top Family pour faire son grand retour ce soir. Colonel Rayel avec Kimley Myron, Levitating. Colonel Rayel, ben ouais, c'était ça aussi, celui. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta vie. Colonel Rayel, c'était ça aussi toutes les nuits. J'arrive pas à te l'avouer, mais je suis tombé sous ton charme. J'ai trop lutté contre mes sentiments, je dépose les armes. Ces tubes-là, c'était sur l'album Au Rapport. Et le 27 mai sortira Au Rapport 2. On n'oublie pas Aurélie aussi, ça avait été un énorme tube. Oui, ouais. Aurélie. Et Colonel, si t'es là ce soir, c'est parce qu'on a un ami en commun, tous les deux. Il s'appelle Diaz da Silva, que j'ai déjà reçu dans la Top Family. Bonsoir, Diaz. Salut. Diaz, pour te restituer un petit peu, pour te resituer, on t'avait accordé une émission spéciale il y a quelques semaines maintenant, parce qu'à Strasbourg, t'es carrément incontournable. Musicien, chanteur, arrangeur musical, directeur artistique, directeur de label, studio de prod, t'es partout, sur tous les projets, et à chaque fois, t'y es bien, et tu connais très bien Colonel Rayel. Tu peux nous raconter un petit peu quelle est votre relation, votre amitié ? Alors la relation, elle date d'il y a 11 ans. Il y a 11 ans, en fait, on est parti en tournée ensemble. Voilà. C'est la première équipe et c'est resté la même équipe depuis. Le chemin faisant, on est devenus potes. Voilà. Et c'est grâce à toi, si Colonel Rayel est là ce soir. Vous allez parler musique un petit peu tous les deux maintenant. Colo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet album-là ? Bah écoute, alors déjà sur l'album, il y aura la suite d'Aurélie. Ah. C'est-à-dire 11 ans après ce qu'elle est devenue. Ouais. Donc ce sera le gros single de l'album. Donc je suis en train de peaufiner tout ça, de terminer tout ça. Et donc voilà, ça je peux vous annoncer qu'il y aura la suite d'Aurélie. Et puis il y aura aussi quelques clins d'œil à l'album Au Rapport avec quelques petites reprises sur des instrus ou des punchlines. Mais voilà, ce sera vraiment un écho à Au Rapport. Ok, concrètement on en est où aujourd'hui ? C'est finalisé ? C'est encore dans les tuyaux ? C'est comment ? C'est pas encore finalisé. J'ai fait le gros du projet. On va dire que je suis à 80%, mais il me reste les derniers 20% à finir. Et voilà, ce sera 20%, mais ce sera intense. Et voilà, c'est la dernière ligne droite, mais j'ai hâte de pouvoir proposer ça au public. Ok. T'as la confiance sur cet album-là ou pas ? Oui, je pense que j'ai beaucoup travaillé. Tu sais, j'ai jamais arrêté de bosser pendant ces 11 années. Donc je pense avoir... mieux trouver ma voix, je pense avoir plus de maturité au niveau des thèmes que j'aborde, au niveau de mon écriture et au niveau aussi de la musique tout simplement. Donc effectivement ce sera un projet beaucoup plus mûr que ce que j'ai pu proposer à l'époque. Alors actuellement il n'y a pas encore de date en Alsace. Pas encore. Il n'y a pas de date de tour en Alsace. Mais si on part en vacances un peu plus au sud, on peut te retrouver, il y a une petite tournée cet été, c'est ça ? C'est ça, il y a pas mal de grosses dates, notamment deux participations à deux gros festivals, donc le Delta Festival à Marseille, auquel j'ai déjà participé l'année dernière, et le Festival de Poupée, qui est un gros festival, et donc effectivement, je serai là-bas aussi. Ouais. Ouais, Festival de Poupée, si vous partez en vacances en Loire-Atlantique, du côté de Nantes, c'est énorme, hein. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui y assistent, voire plus, mais on va continuer avec toi, Diaz, avec l'Alsace peut-être ? Ouais. Parce que du coup, tu commences à bien connaître l'Alsace, là. Tu viens souvent quand même à Strasbourg. Ben, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. Je suis toujours très bien accueilli et oui, effectivement, j'aime beaucoup. Pour te suivre sur les réseaux, Colonel Rayel, c'est tout simple. Qu'est-ce que tu mets réellement comme contenu sur tes réseaux ? Ça dépend en fait. Tu sais, pour moi, les réseaux sociaux, c'est assez varié. C'est-à-dire que je ne vais pas publier la même chose sur Facebook que sur Instagram, que sur Twitter. Par exemple, sur Twitter, je suis très second degré. Donc j'aime bien rigoler avec le public. Sur Facebook, ce sera plutôt familial et sur Instagram, c'est plutôt du lifestyle. Donc j'adapte en fait mon contenu aux différents réseaux sociaux, mais après, ça tourne toujours autour de la musique. Les stories, beaucoup ? Beaucoup de stories, ouais. D'ailleurs, vous serez dans ma story, hein, je vous l'annonce. Et bien ça, c'est génial, c'est une bonne nouvelle. Alors, pendant que Diaz se prépare, parce qu'on va avoir droit à une version acoustique de Levitating, on va discuter un petit peu avec Kimley Myron. Toi, tu vis entre la Floride et la Pologne, c'est ce que j'ai vu, mais t'es bel et bien née à Paris. Oui, exactement, j'ai grandi en Seine-et-Marne, donc à côté de chez Disney, ouais. De chez Mickey. Et je me suis expatriée aux États-Unis à l'âge de 18 ans. Et j'ai vécu aussi en Pologne, à Varsovie, la capitale. Pourquoi et comment t'as tenté cette aventure ? Écoute, j'ai rencontré Anthony B, un artiste jamaïcain. Oui. Je l'ai rencontré à Paris et il a tout de suite adoré ma voix et il m'a proposé de travailler ensemble. Et j'ai eu la chance de partir aux États-Unis pour tourner et en Europe. Et ensuite, je me suis installée puisque j'ai aimé.
Et tu as entre autres sorti récemment un titre qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Free Electron, avec Free mon accent Electron. Anglais, tu le dis mieux que moi je pense. On écoute un extrait. Ça reste en tête, ça, ce petit gimmick. Hein. Ouais. Mais là encore, tu le fais beaucoup mieux que moi. Colonel, tu l'as découvert avec ce titre ou tu la connaissais avant ? Non, bah, quand, quand elle m'a contacté sur Instagram, elle n'avait pas encore sorti ce titre-là. C'est-à-dire qu'elle n'avait aucun titre sur les réseaux. Elle avait juste posté quelques covers, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Où j'avais entendu sa voix. Et juste avec les covers, je me suis dit que j'ai eu un coup de cœur immédiatement. Quoi. Les projets pour 2022, qui me l'est ? Un EP. Ouais. Les gens attendent un EP, donc c'est ce qu'on va faire et on travaille dessus. En ce moment. Bah, tu fais partie de la Top Family. Si tu veux venir un jour nous le présenter, tu seras la bienvenue. Alors, on rappelle la date. Normalement, c'est bien ça, hein, le 27 mai au Rapport 2, avec entre autres la suite d'Aurélie. Alors, on attend impatiemment de savoir ce qu'elle est devenue, Aurélie. Ça avait fait couler un peu d'encre, hein, ce morceau, si je me souviens bien. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça a été mal compris par une partie des médias surtout, parce que le public a tout de suite accroché au titre. Ouais, ça avait été un tube énorme. Mais c'est vrai que ça reste l'un des titres les plus chantés par le public quand je fais des showcases, quoi. Donc c'est vraiment un titre qui m'est cher. Et puis c'est la chanson préférée de mon répertoire de ma maman. Donc en plus. Si j'ai bien vu sur YouTube, on en est à peu près, allez, si on met tous les tubes, 250 millions, 300 millions peut-être de vues de Colonel Rayel sur YouTube, ça fait quoi ? C'est vrai que c'est énorme et on ne se rend pas vraiment compte, c'est vraiment des chiffres. Après, c'est vrai que j'ai la chance, comme je te l'ai dit, de continuer à tourner tous les week-ends. Toujours, donc effectivement, c'est palpable, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des chiffres sur YouTube, on voit qu'effectivement, il y a un public qui se déplace, qui est encore là. Et c'est vrai que les chansons ont marqué une génération et cette génération-là vient me voir en show. Donc effectivement, c'est pas juste des chiffres, c'est aussi réel, quoi. On a parlé des réseaux de Colonel Rayel, on n'a pas parlé des tiens, Kimley Myron, M-A-Y-R-O-N. Qu'est-ce qu'on voit dessus ? Bah écoute, tu peux voir ce que je fais, mon travail, beaucoup de voyages, car je voyage énormément. Et un peu ma famille, des choses comme ça. Une artiste à découvrir, un artiste à redécouvrir. Kimley Myron et Colonel Rayel étaient mes invités grâce à Diaz da Silva ce soir dans la Top Family. Et vous savez ce qu'on va faire ? Alors déjà, je vais vous dire merci à tous les trois parce que ça a été un plaisir de vous avoir. Et pour ce retour, donc, le titre, le tube de l'été en acoustique, Colonel Rayel, Kimley Myron et Diaz à la guitare, Levitating, c'est sur Top Music en acoustique, c'est quand vous voulez les amis. Yeah. Kimley Myron, Colonel Rayel, Top Music, Levitating. Are you trying to get my attention? It seems like your heart has been broken. You're walking right in my direction. You look like the kindest of all the nations. J'aimerais tellement te dire tout ce que je ressens pour toi. J'ai le cœur qui dérive quand je te sens près de moi. Mon regard s'égare et j'en perds les mots. Et ta voix qui résonne comme un écho. I can't even look at you in the eyes. Let's talk together till the sunrise. I have this feeling called butterflies. You have nothing in common with us other guys. Qu'est-ce que je pourrais faire pour te prouver mon amour? Attends bébé reste, ne fais pas demi-tour. Donne-moi ma chance, je te propose un aller sans retour. Je peux plus me passer toi depuis le premier jour. I'm levitating. Levitating. Your love makes me feel like I'm levitating. I'm levitating. Levitating. Your love makes me feel like I'm levitating. Allez danse bébé. Laisse-toi aller avec moi bébé. Viens, on va l'éviter, allez, danse, bébé. Yeah, yeah. No, 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 no. Come and move, baby. Come on and levitate with me. Come on and levitate with me. I'm levitating. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
I'm levitating, levitating. Your love makes me feel like I'm levitating. I'm levitating, levitating. Your love makes me feel like I'm levitating. Oh, 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 oh. Your top music, top family. I'm levitating, levitating. Your love makes me feel like I'm levitating. Un trio magique ce soir dans la Top Family, Colonel Rayel, Kim Le Myron et Diaz Da Silva. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous et longue vie à Au Rapport 2 et longue vie au futur EP de Kim Le Myron. Merci, bonne soirée tout le monde. Merci à toi Erwan.